je m'appelle Annie Blanchard, j'ai aujourd'hui 44 ans et je consulte Ingrid depuis quelques années, plusieurs années, je dirais. La première fois que je suis venue la voir, j'avais des douleurs épouvantables dans l'abdomen. J'avais passé plusieurs examens, on ne trouvait pas ce que j'avais. Ça me faisait des douleurs un peu comme un accouchement vraiment très intense, puis c'était plusieurs fois par semaine, c'était vraiment, vraiment très énergivore. J'ai consulté un médecin traditionnel, un omnipraticien, il m'avait passé des tests, on ne trouvait pas ce que j'avais. J'ai consulté une gynécologue, il ne trouvait pas ce que j'avais. On me donnait des anti-inflammatoires, anti-douleurs, mais il n'y avait rien qui réussissait à calmer la douleur, puis non plus à guérir le mal. Donc, je me suis dit à ce moment-là, moi, j'attends pas. Je vais essayer autre chose. S'il n'y a rien qui me soulage là, je vais aller voir autre chose. Donc, j'ai consulté en ostéo, j'ai consulté en chiro, j'ai consulté en acupuncture. Il n'y a rien qui fonctionnait. Et puis, je suis tombée sur Ingrid par une amie qui la connaissait. Je suis venue la consulter. Donc, on a traité étape par étape et ça allait de mieux en mieux. Donc, déjà, au premier traitement, j'avais une amélioration. Ensuite, on a continué à se voir un certain nombre de fois. Et puis, la douleur est complètement partie. Donc, puisque ça a bien fonctionné comme ça, moi, j'ai décidé que c'était une médecine qui me convenait, ça allait bien, c'était sans douleur. C'était pas compliqué. On était capable de rencontrer une grille facilement, d'avoir un rendez-vous, puis d'être traité rapidement. Donc, j'ai continué à venir la consulter pour moi, pour plein de choses, gastro, petits bobos, les enfants qui se font mal. Il y a eu ma fille qui a de l'eczéma, mon fils qui vit de l'anxiété, mon autre fille qui faisait des crises. Donc, on l'a tous consulté. Le mal de ventre, en fait, les menstruations, tout ça, on a traité ça aussi, tous les symptômes des menstruations, prémenstruelles, menstruations, ça aussi, on a fait le tour de ça. Donc, vraiment, moi, je n'ai que de bons mots à dire à chaque fois. On a trouvé remède pour guérir nos petits maux. Et puis, il n'y a rien de plus magnifique. Pour tout, je veux dire, si on a quelque chose maintenant, mon premier réflexe, c'est d'aller voir si je peux me traiter avec l'homéopathie. Ça va me soulager, mais ça va aussi me guérir, donc je vais pouvoir passer à autre chose là. On va traiter la personne en entier. Donc, on va aller voir comment la personne est à ce moment-là, comment ça se présente chez elle, puis on va aller traiter l'ensemble. Ça a traité non seulement les maux que j'avais, les maux de ventre. Puis ça a changé ma vie, c'est sûr, là. Ça a changé ma façon de voir les choses. Donc, il y a plein de trucs comme ça qu'on a traités, que souvent on a mal quelque part parce qu'on vit des événements. Puis ça vient traiter non seulement le mal, mais ça vient traiter la personne qui le porte aussi.